Salut, salut à vous, avant que vous êtes partagé. Comment l'est de la volupté. Comment ai-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs, et c'était arrivé. Donc, pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus, comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé, sans doute, par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à coups. Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait, comme le courant entre deux charbons dans la lampe à arc. Et il n'était pas prêt de s'éteindre, le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être. Et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les deux épaules. Quand je suis parti avec ma classe pour venir ici faire mes 3 ans, mon cousin me dit, il y a le fils Bidas qui va dans le même régiment. Tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait comme avait dit le cousin. Et depuis que je sers la France, Bidas c'est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun une permission. Avec l'ami Bidas, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants devant les monuments. Dis donc, Bidas, regarde un peu le... Dans les rues, on se promène, ça nous fait passer le...